Frères et sœurs, soyez les bienvenus à ce culte où nous sommes tous accueillis tels que nous sommes. Voici un temps que nous allons soigneusement mettre à part dans notre vie bien trop remplie. Un temps gratuit pour poser notre bagage et pour nous ressourcer. Un temps pour être présent à nous-mêmes et à Dieu. Le premier jour de la semaine, Jésus vient. Il se tient au milieu des disciples. Il leur dit « La paix soit avec vous. » Amen. Et nous chantons le cantique 35-19, les strophes 1 et 2, pour que le jour qui se lève. Louons Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne. Et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Amen. Et nous poursuivons cette louange en chantant le cantique 41-05, les strophes 1-2. Nos cœurs te chantent. La volonté de Dieu. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Je vous invite à la prière. Il serait si simple de faire nos courses au supermarché de la foi. Il est plus difficile de chercher au désert, dans l'expérience du manque, le désir de toi. Il serait si simple de marmonner à chaque heure un chapelet de flatterie pour qu'un dieu narcissique nous récompense d'une pièce d'or.
Il est plus difficile de faire de nos heures une prière, de nourrir une louange et de distinguer devant toi les frais des faux trésors. Il serait si simple de nous sentir confortés par un Dieu arrangeant qui pleurerait avec nous les bobos de nos égaux. Il est plus difficile de chercher avec toi la vérité de nos identités. Il serait si simple de reproduire le schéma bien connu de toutes nos relations, un dominé, un dominant, des bénéfices, des tractations, des arrangements. Il est plus difficile de nous tenir devant toi, de soutenir ton regard et d'entendre dans ta voix la résonance de nos noms. Amen. Déclaration du pardon. Qui nous connaît comme toi, Seigneur? Qui comme toi sait que nous venons d'ailleurs, au-delà des terres qui nous donnent un pays, de plus loin que la maison qui nous donne une famille? Qui comme toi nous fait grandir, Seigneur? Qui nous fait croître en humanité et nous entaille tendrement d'une blessure d'altérité par laquelle s'infiltre en nous la riche multitude des visages étrangers? Qui comme toi nous déplace, Seigneur, pour nous protéger de nos scléroses et de nos engourdissements? Qui nous déloge de nos a priori et de nos illusions pour nous plonger dans l'audace de vivre et de découvrir? Qui comme toi nous pousse dans le dos et gonfle les voiles de nos élans? Qui mieux que toi, Seigneur, peut nous faire la grâce des éternels recommencements? Amen. Oh, prends-moi.
cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Père Céleste, tu nous accordes encore la joie, le privilège de pouvoir méditer ta parole ensemble. Nous appelons maintenant ta bénédiction sur chacun de nous. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, que ton Esprit Saint vienne maintenant, Seigneur, et ouvre nos cœurs, nos oreilles, que nous puissions apprécier, goûter pleinement ta parole. Nous voulons faire ta joie. Nous voulons apprendre, Seigneur, comment te servir, comment t'aimer. Merci, Père, pour la sagesse que tu nous donnes. Amen. Cœur de notre Père, l'amour infini du
du pardon. S'est fait chair parmi nous, il a demeuré, il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée, nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner. Par l'esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne de ta grâce en nos misères et dans la grandeur de ton nom. Viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, et dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Vienne ta grâce, nos que je donnerai aujourd'hui à notre méditation, c'est « Faites tous vos efforts ». Pour cela, nous ferons une lecture dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, versets 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles,
pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en cela même, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Dans ce texte, Pierre dresse une liste qui apparaît un peu comme une poupée russe ou une série de boîtes qui entrent les unes dans les autres, jusqu'à la dernière qui contient la perle. Les phrases d'introduction à cette liste semblent cependant capitales pour bien comprendre l'exhortation de Pierre qui nous encourage à faire tous nos efforts pour vivre selon la volonté de Dieu. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Des efforts qui s'appuient sur la foi. En d'autres termes, le Seigneur nous donne tout ce qu'il nous faut pour vivre. Mais commençons par le bon bout, afin de bien interpréter la suite, et en particulier ces mots. Faites tous vos efforts. C'est aussi pour cette raison que Pierre commence sa liste des efforts à faire en précisant que tout cela s'ajoute à notre foi. Sans la foi, il est inutile d'aller plus loin. Si on oublie cet élément essentiel, cela revient à dire que ce sont nos efforts qui vont nous permettre de vivre en communion avec Dieu, de progresser dans notre marche avec Dieu. Grossière erreur. C'est exactement l'inverse. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'être en communion avec Dieu et de faire tous nos efforts pour entretenir cette communion. C'est certainement pour cette raison que Pierre va insister dès le début de sa lettre pour nous rappeler cette vérité fondamentale. À ceux qui, par l'œuvre salutaire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, que la grâce et la paix vous soit accordé avec abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Jésus notre Dieu et Sauveur a tout accompli par son œuvre salutaire, afin que la grâce et la paix nous soient accordées et que nous puissions connaître Dieu, c'est-à-dire avoir une relation personnelle avec Dieu et le connaître comme notre Père. La foi même est un don. Pierre précise que nous l'avons reçu. Vous connaissez bien ces versets de l'apôtre Paul aux Éphésiens qui ressemblent beaucoup à ces paroles de Pierre. Dans Éphésiens 2, versets 8 à 10, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de nous. Il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de nos efforts. Et ainsi, personne ne peut s'en vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en bonnes actions.
celles qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le salut n'est pas le résultat de nos efforts. C'est Jésus qui a tout accompli pour nous. C'est lui qui est mort à notre place, pour porter sur lui nos fautes. Et il est revenu à la vie pour nous justifier. Et nous, nous avons simplement cru cela. Nous avons confiance en ce que Dieu a fait pour nous. C'est de notre part une démarche libre, responsable, lucide, mais au fond, c'est encore un cadeau de Dieu. C'est un peu mystérieux, mais gloire à Dieu, c'est ainsi. N'est-ce pas quelque part très rassurant de savoir que notre salut ne dépend pas de nous, mais de notre Sauveur? Il faudrait parfois s'arrêter un peu au cours de nos méditations pour faire le point, par exemple, pour se demander si nous sommes bien au clair sur ce point précis, tout est fait. Nous n'avons rien à ajouter pour être juste devant Dieu. Avons-nous trouvé un vrai repos spirituel dans la foi au Seigneur? Sommes-nous bien d'accord qu'il n'y a rien à y ajouter? C'est seulement ensuite que l'on peut commencer à mobiliser toutes nos forces pour avancer. Car il ne s'agit pas de monnayer notre salut par de bonnes œuvres, mais c'est parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu manifesté en Jésus que nous voulons maintenant vivre avec lui et pour lui. C'est ça la piété. On utilisait autrefois ce mot « piété » pour désigner la relation avec Dieu, une relation respectueuse et obéissante. Deuxième épître de Pierre, que nous avons lu au chapitre 1er, le verset 3, « Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » La traduction français courant nous dit « Le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. » En d'autres termes, nous devons tout à Dieu. La vie physique, la vie spirituelle, le même mot comprend ces deux sens. Et même la force qu'il nous faut pour vivre attaché à Dieu. Il est bien de se le rappeler, surtout lorsqu'on a parfois l'impression que nous n'avons pas la force de continuer. Ça arrive aussi parfois, mais n'en restons pas sur un constat d'échec. C'est le moment de lever nos regards. Et maintenant que nous sommes bien posés, établis sur le rocher de notre salut, sur la pierre principale sur laquelle la maison est fondée, maintenant que nous savons que nous avons auprès de Dieu toutes les ressources nécessaires pour vivre avec lui et pour lui, alors nous pouvons faire tous nos efforts pour avancer. Comme le précise Pierre, c'est pour cette raison que nous pouvons faire tous nos efforts. Ajoutez quel effort à la foi? Nous allons maintenant satisfaire notre curiosité. Il est temps d'ouvrir toutes nos boîtes. Voyons la première. La bonne conduite. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Les traducteurs sont apparemment un peu ennuyés pour rendre ce mot qu'on traduisait autrefois par « vertu » et qui est traduit ici par « bonne conduite ». En consultant quelques traductions, voici ce que l'on peut lire dans nos Bibles. Force de caractère,
qualité, force ou énergie morale, mener une vie honnête, et bien sûr, le mot « vertueux », le plus souvent employé. Ce dernier mot est finalement sans doute le meilleur, car la vertu désigne bien une certaine force morale. La force avec laquelle l'homme et la femme tend au bien, comme le précise le dictionnaire. Le latin virtus contient aussi l'idée de courage, de force, de sagesse. On pense bien sûr à cette phrase que Paul écrit à Timothée dans 2 Timothée au chapitre 1er, le verset 7. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Ouvrons maintenant la deuxième boîte. Pierre va dans le même sens, puisqu'à la vertu, il ajoute la connaissance et la maîtrise de soi. Cette connaissance désigne ici l'idée de grandir en sagesse, en discernement, et cela de façon très pratique. Cela vient aussi du fait que l'on connaît le Seigneur Jésus-Christ, comme le souligne Pierre dans ce passage, et ça ne se fait pas en un jour. À la conversion, on pourrait s'entendre dire « Maintenant, tu connais Dieu. » Cette phrase fait réfléchir, parce qu'en fait, peut-on réellement dire à ce stade d'engagement « connaître vraiment Dieu » alors que la personne vient seulement de découvrir l'Évangile et donc, sans doute aussi, saisir l'essentiel, à savoir que Jésus avait porté sur lui toutes ses fautes et que cela lui permet d'être réconcilié avec Dieu, de vivre avec Dieu cette relation extraordinaire, cette communion qui nous est offerte. C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas connaître Dieu. C'est tout au plus une toute petite idée de ce que cela signifie pouvoir appeler Dieu Père. Qui peut prétendre le connaître parfaitement et donc discerner toute sa volonté, faire en permanence la différence entre ce qui est bien et mal et se conduire de façon plus sage? Après 60 ans depuis mon engagement avec Dieu par le baptême d'eau, je ne suis toujours pas très sûr d'être sage à tout moment. Mais j'apprends chaque jour à connaître un peu mieux mon Seigneur. Je sais un peu plus ce que cela signifie de vivre avec Dieu au quotidien. J'ai vu sa fidélité et sa patience envers moi et envers beaucoup d'autres, dans toutes sortes de situations. Je sais maintenant un peu mieux pourquoi je peux le considérer comme mon Père, dans la foi en son Fils Jésus. J'ai goûté les bons fruits de cette communion avec Dieu, et j'en redemande. Cette relation avec Dieu n'est pas marqué par une sorte de moralisme ou de légalisme, comme s'il s'agissait de faire des choses selon des règles très précises pour vivre avec Dieu. Il nous faut comprendre ce que signifie la grâce, l'amour gratuit de Dieu, inconditionnel, total, permanent. Bien sûr, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas juste, donc
exigeant d'une certaine manière, ni qu'il n'y a aucune règle, ou que l'on fait ce que l'on veut, qu'on peut se conduire n'importe comment tout en vivant cette relation avec Dieu. C'est bien pour cette raison que Pierre précise que ceux qui ne font rien pour avoir ces qualités dans leur vie ont oublié qu'ils avaient été purifiés de leur péché d'autrefois. C'est une façon de leur rappeler qu'ils ont un jour cru au Seigneur, qu'ils ont été baptisés et qu'ils ont pris l'engagement de vivre de manière différente, qui comprend à leur vie, à leur relation avec Dieu, qui correspond à leur vie. Troisième boîte, c'est aussi pour cette raison que Pierre souligne qu'il faut ajouter à notre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. Et il ajoute encore à cela la maîtrise de soi et la persévérance. Être maître de soi, c'est certainement ce qui nous est le plus difficile et le plus indispensable face à toutes ces tentations que nous rencontrons dans ce monde. Par tentation, je veux dire la tentation peut-être la plus générale et la plus courante dans notre monde, où nous avons tant de moyens extraordinaires pour améliorer nos conditions de vie. C'est la tentation de franchir continuellement les limites de notre condition humaine, par tous les moyens, dans tous les domaines. Tentation de l'excès sous toutes ses formes, d'une domination immodérée de ce monde, de ses ressources naturelles, et aussi de nos propres vies, comme s'il n'y avait aucune limite dans tous ces domaines. Les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres dans le Nouveau dénoncent souvent cette faute de l'être humain, à vouloir franchir toutes les limites de sa condition humaine. Cela se traduit en particulier par l'amour excessif des richesses, la cupidité, l'ivresse du pouvoir, la tyrannie, et tous les débordements sexuels en dehors du cadre du mariage entre un homme et une femme, institués au commencement par Dieu lui-même. Les auteurs de la Bible n'hésitent pas à qualifier ces comportements d'idolâtrie. Les apôtres notamment s'adressent bien à des chrétiens lorsqu'ils les évoquent. C'est donc que cela nous concerne aussi. C'est sans doute pour cette raison que Pierre nous encourage à faire preuve de maîtrise de soi. Nous avons bien souvent de revenir à un mode de vie plus conforme. Nous avons souvent besoin de revenir à un mode de vie plus conforme à la volonté de Dieu. Et il n'est pas toujours facile d'en discerner les limites. D'où notre besoin de mieux connaître le Seigneur, de grandir dans la sagesse, mais aussi dans la persévérance. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de notre chemin. Enfin, dernière quatrième boîte, Pierre finit par deux mots très forts qui désignent deux formes d'amour. L'amour fraternel et l'amour que l'on pourrait dire de Dieu. Cet amour spirituel qui couronne et récapitule toute la liste des vertus énumérées par Pierre. Grandir dans l'amour fraternel, c'est sans doute le plus beau programme de toute Église. Et c'est parfois aussi le plus délicat.
pour ne pas dire difficile. Nous savons bien qu'il y a mille et une raisons de ne pas nous aimer autant que nous le pourrions dans la communion que nous avons en Jésus-Christ, par son Esprit. Nous sommes très forts pour saisir toutes nos petites différences, tous nos petits défauts, tous les prétextes, tout ce qui peut affaiblir notre vie de famille spirituelle. Et là, Pierre est très clair. Faites tous vos efforts. Même en nous soumettant aux restrictions sanitaires temporaires. Pour cultiver au contraire votre amour fraternel. Pour réagir en frères et sœurs dans les situations difficiles qui exigent notre solidarité. Mais aussi dans les situations heureuses ou douloureuses qui nous rassemblent, dans la joie comme dans les pleurs. Notre thème pour 2020-2021 est tellement parlant. La perfection n'est pas un état, mais une marche. Le verset en appui, Philippiens 3, le verset 16, « Au point où nous sommes parvenus, marchons ensemble. » Cela n'est possible que par la foi qui nous unit en Jésus-Christ, et enfin par l'amour qui vient de Dieu. Comme le précise Pierre au début et à la fin de sa liste. Ces mots essentiels encadrent tous les autres. C'est bien évidemment intentionnel, car pour vivre une meilleure communion avec Dieu et les uns avec les autres, c'est surtout d'amour que nous avons besoin. Pour conclure, Pierre ajoute que si nous cultivons toutes ces qualités, tous ces fruits du Saint-Esprit dans notre vie, de notre communion avec Dieu, cela nous permettra d'être des transmetteurs, des témoins, communicateurs de l'amour de Dieu pour tout être humain, d'être actifs, ce qui est une très bonne chose pour l'Église, de progresser individuellement et ensemble, dans la connaissance du Seigneur Jésus, de ne pas tomber dans le mal, ou en tout cas de pouvoir nous relever, comme il le souligne ensuite, et d'avoir une porte grande ouverte lorsque nous entrerons dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça vaut le coup de faire tous nos efforts, toujours, par grâce. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles, dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Confession de foi. Nous croyons en Dieu le Père d'amour. Il nous a créés, nous et toutes les créatures,
pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Ressuscité par le Père, il est vivant et donne un sens à notre espérance. Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Il œuvre dans le monde, anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous croyons en Dieu. Amen. C'est maintenant le temps de l'offrande. Temps important pour notre Église. Comme vous le savez, l'Église vit exclusivement de dons et ne perçoit aucune subvention, tant pour son fonctionnement que pour la rémunération des pasteurs. Alors que chacun donne avec joie ce qu'il a décidé dans son cœur. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé de recevoir ta parole vivante et de communier en elle. Ces avertissements et ces consolations, ces blessures et ces guérisons, tout ton amour, Seigneur, nous l'emportons vivant en nous. Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice, et pour cette œuvre, purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés, que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Soutiens les malheureux, marche auprès des solitaires, illumine et réconforte ceux qui fléchissent dans l'insuccès et les peines qui semblent perdues. Sois avec ceux qui n'ont pu se joindre à nous, malades ou surmenés par un travail implacable, comme avec ceux qui cherchent secours dans la communion des fidèles. Nous te prions pour notre peuple, pour tous les peuples qui cherchent la cité fraternelle. Nous te prions pour toutes les églises et pour notre église, pour ses ouvriers connus ou anonymes, pour ses bergers, ses anciens, comme pour ses plus humbles fidèles. Nous te prions pour ceux qui t'aiment et trouvent leur joie dans ton amour, pour ceux qui te cherchent et qui espèrent en toi, pour ceux qui t'ignorent ou te méconnaissent et que ton amour attend au seuil de la maison paternelle. Souviens-toi de tous ceux qui ont perdu un être cher et que nous nommons dans le tréfond de nos cœurs. Et ensemble, de tout notre cœur et d'un seul élan, dans la communion de l'Église universelle, nous t'adressons la prière que le Christ Sauveur et Seigneur nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevons l'exhortation et la bénédiction. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Frères et sœurs, soyez dans la joie, cherchez à être parfaits, encouragez-vous et soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que l'amour de Dieu et l'Esprit Saint qui nous unit soient avec vous tous. Amen. Et nous chantons le cantique 44-15, la strophe 1 et 2. C'est vers toi que je me tourne.
Mes yeux.